vrai, ok? J'ai vu ça de mes propres yeux. Oh, mais je te crois, tu sais, je te crois. Allez, raconte-nous, on veut tous les détails. Ok, donc, c'était vendredi soir dernier, alors que je rentrais du bar, et cette femme a commencé à venir vers moi. La façon dont elle titubait, je me suis dit qu'elle était bourrée. Ok, dis la vérité, t'avais bu combien de verres dans l'histoire? Mec, je t'assure, j'étais quasiment sobre. Mais bien sûr. Écoute-moi, d'accord? Quand elle s'est approchée, je l'ai bien regardée. T'aurais dû voir ses yeux, son nez, tout son visage. On aurait dit qu'il pourrissait. On aurait dit un cadavre. Un cadavre ambulant, mec. J'ai la même à la maison. J'ai jamais rien vu de pareil. J'arrive plus à dormir depuis cette nuit. Allez, détends-toi, tout va bien. Bon, écoute, tu dois rester fort, ok? Laisse pas la peur t'envahir, d'accord? Ouais, ça je te le fais pas dire. Si on reste paralysé devant ces choses, elles en profitent pour mordre. J'ai vu attaquer quelqu'un. C'est pas vrai. Ça devenait intéressant. Je crevais. Personne. C'est bizarre. Hein? Eh oh! Y'a quelqu'un? Quelque chose tombe par là. Ça va? Bougez pas, je vais revenir vous aider. Arrête de bouger! Est-ce que tout va bien? Enculé, monsieur, je m'en occupe! Hey! Ah! 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 Ah
où je tire. C'est impossible. Hé, hey, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça? Ça va? Ouais, je crois. Merci. Remercie-moi plus tard, si on s'en sort. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe ici? J'en sais rien. Espérons qu'ils en sachent plus, ce commissariat. Quoi, des flics? Ouais, Léon Kennedy. Et toi? Claire. Claire Redfield. T'es du coin? Non. Je cherche mon frère. Lui aussi est flic. Bah, une chance qu'on se soit rencontrés. J'ai aucune idée de ce qui nous attend. Avis à tous les citoyens. Suite aux incidents qui touchent la ville, nous vous invitons à venir vous réfugier dans le commissariat de police de Raccoon City. Des vivres et du
matériel médical seront distribués à tous ceux qui en ont besoin. Oh mon Dieu, c'est surréaliste. Le commissariat n'est plus très loin. Ils auront des infos. D'accord, mais... imagine qu'on soit les seuls, qu'il n'y ait pas de survivants. Non, il y a des survivants. C'est une grande ville. C'est obligé. Je crois qu'on va devoir marcher. Courir plutôt. Tu marques un point. Oh la vache! Ah! Léo, il faut que tu recules! Oh non! Oh merde! Claire, sors d'ici! Allez, vite! Je peux pas! C'est l'apocalypse! Transformés. Ah, le voilà, le commissariat. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Il y a forcément quelqu'un ici.
C'est pas bon, ça. David ! Marvin ! Vous m'entendez ? On a un moyen de sortir ! Tout est là-dedans ! Envoyez des renforts ! Dans le couloir est ! Il faut que j'aille l'aider. Ça va aller. Je vais vous aider!
votre main. Je vous tiens. L'autre main, allez. Tenez-vous. Ils sont partout! En sécurité. Pour l'instant. Merci. Marvin Brana. Léon Kennedy. Il y avait un autre officier, j'ai pas pu. Eh. Je suis sûr que t'as fait ce que t'as pu, Léon. On sait ce qui a causé tout ça? Aucune idée. Mais franchement, tout ce que tu dois savoir, c'est que cet endroit te bouffera tout cru si tu fais pas attention. Je devais commencer la semaine dernière, mais on m'a dit de ne pas venir. J'aurais aimé être là plus tôt. T'es là maintenant, c'est tout ce qui compte. Lieutenant, je suis prêt. J'espère que tu trouveras un moyen de sortir d'ici. L'officier que t'as vu tout à l'heure, Elliot. Il pensait que ce passage secret ferait l'affaire. Tant mieux. On pourra vous amener à l'hôpital. Non, non, il y a plus important que moi. Lieutenant, je peux pas vous laisser là. Ceci est un ordre, jeune homme. Tu dois d'abord sauver ta peau. J'aimerais venir avec toi, mais ça te ralentirait. Tiens. Allez, prends-le. Si je fais ça... C'est bon, arrête. Fais pas la même erreur que moi. Si tu croises d'autres de ces choses, uniformes ou pas, tu dois pas hésiter. Tu les tues, ou tu cours. Compris ? Compris.
pas comme ça que j'imaginais mon premier jour.
C'était quoi ça? C'est Marvin. Il faut que tu reviennes immédiatement. Tout va bien, Marvin? Je veux te montrer quelque chose. C'est important. Compris. J'arrive tout de suite. Ah!
Te voilà. Approche. Regarde. C'est elle. Elle s'en est sortie. Oh, tu la connais ? Ouais. Elle s'appelle Claire. On est arrivés ici ensemble. Tu peux accéder à cette cour via l'étage supérieur, côté est. Compris. Merci, lieutenant. Donc Elliot avait raison. On dirait, et le passage est encore fermé.